I got my sniper rifle and I shot off hundreds of rounds just to get used to everything. And so it's all very professional and that's what I like, it's exciting. And it was nice to do something different, and it's very nice to know that whatever I do, you will watch. Fantastic. It's, now we're dumb and dumber. David and David Er. Alors tout d'abord, je voudrais remercier encore une fois David. Alors, sister, David number one, David number two. You're just going to confuse us. Donc, je vous remercie encore une fois infiniment d'être présent aujourd'hui à cette convention pour les contacts. Merci. Et d'être présent parmi nous à Paris, dans le grand Montreuil. Merci à vous. C'est Montreuil ? Eh oui, Montreuil. Allô, Montreuil ! Alors, Montreuil. De chacun de nos invités. Donc aujourd'hui, je vais commencer par David Number One, donc David Nickel, donc, qui est né en Tchécoslovaquie avant de s'installer au Canada avec, avec sa famille. Are you going to read our biographies again? Hein? Sorry? Are you going to read our biographies again? Yeah. Did you guys all follow along in the program? Yeah, it's nice to be reminded. Donc il s'est installé au Canada avec sa famille, qui a commencé sa carrière d'acteur dans les années 80, qui a beaucoup travaillé au théâtre, au cinéma, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou en Tchécoslovaquie. En République tchèque. En République tchèque, pardon. Ouais. C'est compliqué, né en Tchécoslovaquie, mais travailler en République tchèque après, c'est ça. Voilà. Damn, you hope you're French. Et qui a obtenu donc le rôle du docteur Radek Talenka dans Stargate Atlantis, dont on parlera tout à l'heure. Et donc aujourd'hui David Nomotu de Viduette, qui est né au Canada. Oui, monsieur, oui, ici. Donc, qui est né au Canada, qui a commencé dans les petits films étudiants avant de tourner dans le film Cube de Très petit film, c'est vrai. Voilà. Donc de Vincenzo Natali, qui a obtenu, donc, bien sûr, quelques années plus tard, le rôle de Rodney McKay dans Stargate Atlantis. Oui, bah, avant Stargate SG et après Stargate Atlantis. S'il vous plaît. Qui a réalisé également son premier film, Not Breakfast. Le petit déjeuner du chien. David Motu, j'avais une première question. Donc on a parlé tout à l'heure justement de Cube, réalisé par Vincenzo Natali, avec qui vous avez travaillé encore par la suite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rencontre avec Vincenzo? Et qui a obtenu le rôle du docteur Radek Talenka dans Stargate Atlantis, dont on parlera tout à l'heure. Et donc, aujourd'hui, David Lemarchou de Viduette, qui est né au Canada. Oui, monsieur, oui, ici. Donc, qui est né au Canada, qui a commencé dans les petits films étudiants avant de tourner dans le film Cube. De Très petit film, c'est vrai. Donc, le Vincenzo Natali, qui a obtenu, bien sûr, quelques années plus tard, le rôle de Rodney McKay dans Stargate Atlantis. Oui. Avant Stargate S1 et après Stargate Atlantis. Il s'appelle Karpov et je fais l'audition et I got the part et je me suis dit que bill. So that came later and I told them that I'm Czech and I speak Czech and then when I got the script, is that French? I'm
I certainly became bilingual.